Au suivant. Je m'appelle Jacques Brel. Mais bon, ça s'écrit pas comme le chanteur. Mes parents, ils pensaient que Jacques, ça imposerait le respect. Bon, ils avaient tort. Ans, beau gosse, célibataire, employé d'une entreprise florissante, enfin bon, c'est ce qu'on dit aux actionnaires. Mon truc à moi, c'est la boxe. Internet, téléphone, télévision, et plus encore. Tout le monde en a une, mais personne sait s'en servir. Du coup, c'est qui qu'on appelle? C'est Bibi. Mon travail, c'est avant tout. Une chaise, un bureau, des dossiers, plus de dossiers, encore plus de dossiers. Téléphone, clavier, ordinateur, peau à crayon, agrafeuse, post-it, plus de post-it, encore plus de post-it. Et des collègues. Toujours plus de collègues. Et dans ce cadre propice à l'épanouissement de l'âme, je pratique l'assistance téléphonique. Enfin, j'essaye. Non, ça, je vous confirme, une prise Péritel ne rentre pas dans une prise de courant normale, monsieur. Mais vous pouvez essayer. Et puis, il y a Frida. Ça rentre pas, ça rentre pas. Qui est belle comme un soleil. Ça rentre pas, quoi. Ça aimerait bien rentrer, mais ça. Trois mois qu'elle me drague, là. Elle va bientôt craquer. Ouais. Non, ça rentre pas. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Ben, essayez si vous voulez, mais... Non. Ben, je vous confirme que ça rentrera pas. Hein. C'est comme ça. Ben, c'est comme ça, c'est technique. Voilà, c'est ça. Allez, bonne journée, monsieur. Au revoir. Ah oui, ça, il vous faut un ordinateur, oui. Ah bah ça, vous pouvez pas passer à côté. Non, mais vous inquiétez pas, Google est fourni gratuitement et avec abonnement. Voilà. Tout à fait. Attendez, excusez-moi, j'ai un double appel, je vous reprends tout de suite. Allô, Frida? Bah, qui c'est ça, Frida? Moi, c'est Robert. Ça fait une demi-heure que je porte et j'ai plus d'internet, alors ça commence à bien faire, hein. Allô? Hé? Y'a quelqu'un? Allô? Est-ce que vous avez pensé à l'éteindre et à la rallumer? Non? Bah essayez, vous allez voir, ça va mieux fonctionner comme ça. Est-ce que vous avez pensé à éteindre et à rallumer la boîte? Je sais pas, vous essayez quoi, hein? Bah voilà, on va pas tout vous expliquer. Vous avez bien introduit votre mot de passe, hein? D'accord, vous l'avez oublié. Mais là, actuellement, ils ne sont pas là. Oui, vous pouvez rappeler dans une petite demi-heure. Si vous commencez à me gonfler les tétines, on va pas être content. Ça, je vous le dis. Deux heures. Parce que moi, j'ai tout mon temps. Moi, je suis là, tranquille. Alors, vous calmez. Voilà, vous détendez. Voilà, il se détend. Stop. Salut, Frida. Tu peux aller manger? On va se manger un petit truc, hein? Voilà. Ah ben voilà, là il y a du beau gosse. Ah mon grand. Allez, vas-y, on y va, c'est parti. C'était trop romantique. Je te jure, en plus, elle est vraiment trop belle. J'y crois pas, je vais enfin me marier. Ouais, on a prévu ça pour le 22. Pour histoire de laisser le temps à la famille. Oh, puis la robe, si t'avais vu la robe. Elle est sympa, on a aussi des cheveux longs. Ouais, on pensait dans l'idée. Je vais aller voir un peu de traitement. La boîte, la boîte.
La boîte grise, voilà. Non, mais c'est pas évident, madame Gimaud, là. J'essaie d'articuler. Ah, j'ai dit j'essaie d'articuler.